Certains chanteurs de charme ont tellement de succès auprès des dames que celles-ci les voient comme de véritables dieux, sans les connaître personnellement, bien sûr. Eh, hey, c'est la chanson de Georges Biburli. Ah, lui, je l'adore. Oui, monte le volume. Quel mec, mais quel mec. Oh, oui. Ah oui, j'irais décrocher la lune pour toi. Oh, mon beau Georges. Si elle était pas si grosse et si elle était juste à côté de chez moi. Jamais je ne laisserai quelqu'un te faire du mal. Pas sur le buffet, Catherine. À moins bien sûr qu'il s'agisse de quelqu'un qui est beaucoup plus grand que la taille normale. Ah, bon, je t'aime. Je t'aimerai toute la nuit. Promets ça. Si je fais ça, je... Mais que veux-tu, c'est pas ma faute, après la première fois je tombe endormi. Tu me donnes tant de bonheur. Quand tu me dis j'ai quelques trucs à faire, je reviens dans quelques heures. Oh, qu'il est charmant. Yesh, la baba baby bash, li baba da dwi dwi. Flabba da baba da gown, baba da shli baba da da blue. Hey, oh, do, da hi, hoo, hey. Quel mec. C'est sur la super fréquence que vous venez d'entendre Georges Biburli. Et dans le cadre de notre appel surprise d'un artiste, aujourd'hui nous appelons justement chez lui, Georges Biburli. Il ne s'y attend pas du tout. On va avoir une petite surprise pour Georges. Et Georges Biburli, et comment allez-vous? Qui est à Paris? C'est super fréquence pour l'appel surprise. Oh putain. Qui c'est? Ta gueule. On vous réveille là? Attends, hein? Je vais me moucher, d'accord. Oui, bien sûr, c'est fait. Et bien voilà, c'était Didier Glébar qui vous accompagnait depuis 7h ce matin.